C'est le grand jour, la course tant attendue, la finale des Epic Series au trot, 96e prix d'Amérique au Podo. Sous la clameur des 37 000 personnes présentes à Vincennes, Hippodrome de Paris, le départ est donné, un départ très moyen pour le grandissime favori Bold Eagle, pointé parmi les derniers après quelques mètres de course. Est parti rapidement, Hakim du Cap-Vert prend lui le galop assez vite, il est disqualifié. Pour passer devant les tribunes comble, Timoko doit contrer une première attaque, celle d'Univers de Pan. Puis celle très incisive de Call Me Keeper dans la plaine, la bataille fait rage et le compteur monte à plus de 54 km/h. Le peloton aborde la partie montante de la piste, moment crucial de la course, l'instant clé, le voici, un décalage se fait côté corde, Univers de Pan étant sur ses fins. Lorenzo Donati au sulky de Voltigeur de Myrte décide de ne pas garder le sillage de Jean-Michel Bazire et Bélina Josselin. La place est alors libre, mais pas pour longtemps. Franck Nivard prend la décision en une fraction de seconde et plonge dans la roue de son rival. L'action sous un angle exclusif, celui de Franck Nivard en personne. On est au sulky de Bold Eagle. Il prend la bonne option ici en se faufilant entre deux concurrents. On est alors aux alentours de 51,5 km/h. La victime de ce mouvement, Ryan Schlistrom, venu en dehors avec propulsion, est contrée à son intérieur par Bélina Josselin, alors en pleine accélération, suivie donc comme son ombre par Bold Eagle et Franck Nivard. Alors les cracks abordent la dernière ligne droite à 53 km/h. Bold Eagle produit un dernier effort pour prendre le dessus définitivement. Franck Nivard prend même le temps de chambrer son adversaire à quelques mètres du poteau, Jean-Michel Bazire lui répondant aussitôt. Le spectacle est total, l'exploit aussi. Deuxième victoire de prix d'Amérique au podo consécutif pour Bold Eagle dans un temps record, 3 minutes 12 et 35 centièmes, soit 50,5 km/h de moyenne. Les cracks nous donnent à présent rendez-vous pour la revanche le 12 février prochain dans le Grand Prix de France, dernière étape des Epic Series.